80 de toutes les eaux usées sur la planète est euh, évacuée euh, dans l'environnement sans traitement. Il faut trouver une façon de gérer cette pollution. Maintenant, au lieu de simplement voir les eaux usées comme un problème à régler, elles, elles, elles comportent en elles leur propre solution. Parce que les eaux usées contiennent d'abord beaucoup d'eau qui peut être réutilisée mais aussi des nutriments tels l'azote ou le phosphore, qui peuvent facilement être euh, transformés en engrais, ce qui contribue à la sécurité alimentaire. Et puis les bouts issus du, du traitement des eaux usées. C'est une matière organique très riche en énergie qui peut facilement être euh, convertie en biogaz dans les pays développés. Au cours des, des derniers, des, de la dernière centaine d'années, on a développé d'énormes systèmes centralisés euh, de, de collecte et de traitement des eaux usées. C'est dispendieux, ça coûte cher. Il y a des approches de, de, de techn, technologiquement plus simples qui sont presque aussi efficaces euh, et dont les, dont les, coûts, de, de, les coûts initials sont moindres et les coûts d'opération et de maintien sont moindres également. Il, il, il s'agit de, de systèmes qui sont décentralisés, c'est-à-dire locaux, qui vont servir des, des, des communautés de petite taille. Ces petits systèmes euh, qui sont à coût moindre peuvent créer un, 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 une eau qui peut être utilisée de façon sécuritaire en irrigation ou même pour euh, recharger les eaux souterraines. Donc les solutions existent.